Bon, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Nous sommes le jeudi de l'Ascension, normalement c'est jour férié, mais on va poser une trappe. Pas de férié pour les guerriers, épisode un peu spécial cette semaine, donc restez jusqu'à la fin, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer, puisque cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On pose la trappe sur Vérin, de la terrasse new-yorkaise. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, parce qu'en fait c'était une problématique au tout début, quand on a décidé de faire une terrasse plate, on ne savait pas comment y accéder. On s'était dit, le seul moyen déjà c'est de mettre un escalier en colimaçon, pour économiser de la place, etc. Mais en fait quand on a un escalier au colimaçon qui monte directement sur un toit plat, on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre? On s'est dit soit on fait une cabine, soit on fait un... Voilà, soit on fait une cabine sur la terrasse avec une porte, donc ça ferait un sas en fait pour accéder, ou soit il faut trouver un autre système, une trappe, etc. Et donc ça a été une grosse problématique. On a été voir pas mal de fournisseurs, il y a beaucoup qui faisaient pas, qui tout simplement, et même ça leur faisait peur. Donc finalement, on fera pas une cabine, on a décidé de faire une trappe sur Vérin. Donc là, on part sur une complexité technique la plus folle, mais pour le rendu le plus fou. Bon, alors pour poser cette trappe, il nous faut quoi? Il nous faut un métallier de qualité. Oui. On a pris le meilleur. Ah, salut, ça va? Bonjour. Vous faites du métal, monsieur? Ouais, il paraît, ouais, mais pourquoi je... Attends. Un métallier, c'est bien. Oui. Mais deux, c'est mieux? Ah, ben deux, c'est mieux. Ça va, Bibi? On était tous les deux... Oui. Bon, vous avez accepté notre mission? Oui. C'est de faire une trappe sur Vérin. Oui, je suis d'accord avec lui. Donc je vous présente Julien, meilleur apprenti cuisinier pâtissier de France. Tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Tout à fait. Oui. Et de Navarre. Apparemment, Navarre, tu l'as eu. D'où le Navarre. Au bout de la deuxième fois, tu l'as eu, Navarre. Pâtisserie, Navarre. Ils vont me fatiguer tous les deux. Et Bibi, responsable technique, il est là pour amener un petit peu de sérieux aussi. Ouais. Et de la qualité de pose. Ouais. De la qualité. Et de la sagesse. En fait, lui il bosse et lui il se fout un peu le bordel. Grave. Je suis d'accord avec lui. Voilà, donc aujourd'hui avec Julien et Bibi, on va poser la trappe. Avant ça... On ne monte pas les gens du doigt, c'est mal poli. Range tes doigts. Avant ça... Aujourd'hui, la trappe est prête. Elle est sur le camion. Elle est prête à être posée. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des semaines... Oui. Tu travailles. Bah oui. Tu travailles sur ce projet. Bah oui. Tu soudes. J'ai soudé. Tu dessoudes. J'ai dessoudé. Tu colles. J'ai collé. Tu décolles. J'ai décollé. Et tu recolles. Et j'ai recollé. Avant de décharger le camion, avant. Je propose qu'on lance quelques petits plans épiques de la fabrication. Et comment je lance, Emilien? Explique-moi. Tu le lances comme tu veux. Alors, il y a plein de façons de lancer une séquence. Explique-moi comment on fait. Tu peux prendre la séquence dans ta main, par exemple. Là, je la prends. Là, tu prends la séquence. D'accord, je prends la séquence. Elle est là. Ah putain. Oh, elle est là. Et là, je la lance. Là, tu la lances. Ok, c'est parti. Il y a un beau camion. Montre-nous ce camion. Regarde la belle auto. Regarde l'auto. Échelle aluminium. Impression, bicoloration. 4D. Thermocollé, 4D. À réflexion naturelle, anti-UV. Peinture gris anthracite. Pas de série, option. Autocollant, corporate. Technium, ma belle verrière. Fragile, car nous sommes des fragiles. Et suivez-nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, Julien, c'est que non seulement tu es métallier, il fait des escaliers, il fait des verrières. Il fait des belles verrières, d'ailleurs. Comme le... Est-ce que tu n'aurais pas une marque qui s'appelle Ma Belle Verrière? Mais bien sûr, regarde Emilien, c'est écrit ici. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Eh ben, il a une chaîne YouTube, le mec. Petite. Donc Julien s'est lancé sur YouTube. Là, il y a Julien, là, il y a la YouTube. Je le prends, je le lance. Voilà. Je trouve que la soudure, c'est kiffant à regarder. Là, ça fait... Ça fait des... comme ça, des étincelles. Donc on attaque tout de suite, on est chaud. C'est parti. Attends, on avait demandé en blanc. Ouais, je sais. Donc il y a un premier dormant qui lui va permettre de faire l'étanchéité extérieure. Et celui-là va venir recapoter ici. En fait, si tu veux, t'as l'autre dormant qui est là, sur l'extérieur. Et celui-là va permettre de revenir recapoter à l'intérieur. Comment on capote, Julien? Eh ben, comment on capote? Bon, vraiment? Non, comment on capote, en fait, ils vont juste être glissés, posés l'un sur l'autre. D'accord. Et ce qui va permettre de faire une étanchéité parfaite
extraordinaire. Là, je m'inspire d'un grand youtubeur qui s'appelle Emilia Malbranche. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Voilà. Très il bien. Parle toujours comme ça quand il parle dans les détails. Oui. C'est une trappe qui va être complètement étanche. Dans son intégrité même. Ça se voit tant que ça quand je la fais. Ouais, exactement. Ouais, de ouf. Ça va permettre de parfaire tout l'ensemble de la périphérie et pouvoir permettre à cette petite trappe de s'ouvrir tranquillement tout en préservant l'étanchéité de la maison. Merci Julien pour ces explications. Eh bien, ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine pour un autre tuto. Il n'y a aucun risque avec les ventouses. Au pire, ça... Demande à Bibi, responsable. Bibi, combien d'années d'expérience là dans la pose de menuiserie, toi? 3 mois. 32 ans. 32 ans. 30 jours. 30 jours. 30 jours. Est-ce qu'il y a un risque avec les ventouses comme ça? Alors, celles-là, elles ont déjà lâché 2-3 fois. Mais... Il est trop honnête, il dit la vérité. Non, mais ouais. C'est 150 kilos par ventouse. Ouais, mais le jour où elles ont lâché, c'était pour quelle raison? Il pleuvait, petite, il pleuvinait un peu. Il y a un petit peu de pluie. Ah d'accord, bon bah là, ça va là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arête vive, il est en arête abattue. Bon, on a monté le vitrage sur le toit. Alors, double vitrage, 39 mm d'épaisseur. À l'intérieur, il y a une barrière thermique avec de l'argon intercalaire noir. Là, à l'intérieur, ça sera la partie intérieure, il y a un verre feuilleté 44-2. Donc 44-2, c'est quoi? C'est un verre feuilleté comme un pare-brise de voiture. 4 mm, 2 mm, 4 mm. Donc il y a un film qui permet de ne pas casser. Et sur l'extérieur, on a une face. Là, il y a un verre de 6 mm, ce qu'on appelle un verre faible émissivité. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi vulgairement un vitrage 4 saisons, qui permet de prendre les calories de la chaleur en hiver. Cette saison, c'est aussi un... Comme la pizza, oui. Et c'est aussi donc, une chanson... Quatre saisons. Ah, de Chopin. C'est pas... Non, c'est tout de suite un extrait des quatre saisons. Et donc, ce qu'on appelle un vitrage 4 saisons, c'est ce qui te permettra, en fait, en gros, de pas trop laisser rentrer la chaleur en été, quand ça cogne. Et par contre, de bien garder les calories de la chaleur en hiver, dès qu'il y a un peu de soleil. D'accord. Ce qu'on appelle un vitrage aussi ITR, isolation thermique renforcée. ITR. Donc là, Bibi est en train de mettre du, ce qu'on appelle du compriband. C'est un joint qui va grossir, qui va gonfler et qui est réputé étanche. C'est-à-dire que normalement, avec ce joint-là, comme pour les menuiseries, il n'y a pas besoin de faire de silicone. Mais nous, là, on va le doubler pour bien avoir de l'épaisseur et on va faire du silicone aussi en plus, histoire de parfaire totalement l'étanchéité de la trappe. Putain, ça va être chaud. Il s'est pas coupé. Il s'est pas coupé. Il a pas coupé. Il l'a pas coupé. Il l'a pas coupé. Il l'a pas coupé. Mieux le principe maintenant là-bas, comme ça là-bas ce capotage là vient recapoter l'autre et puis tout est une question de capotage, tout est, hein. Tout est une question de capote. Non, force un peu là, elle est bien calée en tout cas. Il descend. Au millimètre près chez Sons of Metallery. Oui, et attends, et si le métallerie c'est qu'il est content, si le métallerie c'est qu'il est content, exactement. Bon, alors ça y est, le dormant est posé, c'est siliconé. Je vous laisse voir la taille des pommelles là par rapport à mon doigt, elles sont énormes. Et aussi, je voulais vous montrer les vérins, voilà, les deux vérins dans le budget trap. C'est une grosse partie du budget, c'est tout petit, mais voilà, c'est un élément qui coûte cher. Et donc c'est ça qui va permettre de soulever la trappe sans effort en fait. On a hésité à le faire motorisé, mais motorisé, faut quand même compter le double du budget. We'll be right back.
Bon, alors ils ont posé du coup les vérins. Il y a deux vérins, il y en a un de chaque côté. Donc ils vont permettre tout simplement de pouvoir ouvrir et fermer la trappe manuellement. Et les vérins, c'est quand même une des pièces essentielles de cette trappe. Exactement, j'ai une position très désagréable. En fait, les vérins ont été chargés à 900 newtons chacun. Donc il y a quand même deux vérins de 900 newtons chargés en gaz. Hein, c'est des vérins à gaz. En fait, là je le retiens parce que sinon, voilà. Newton d'ailleurs. Isaac Newton. Isaac Newton, exactement. Donc comment ça marche en fait quand il y aura le poids du vérin? En fait, c'était calculé aujourd'hui. Si on lâche la trappe, elle va ouvrir super vite. Ouais. Parce que là tu la tiens. Ouais, en gros. Là je la tiens pas. Là, elle remonte automatiquement tout le temps en fait. Ça remonte tout le temps. Et là pour la fermer, tu vois, c'est assez dur. Mais quand il y aura le poids du vitrage, ça fera le même principe qu'un coffre de voiture. C'est-à-dire que ça t'aidera à entraîner à l'ouverture une fois que tu auras fait une action manuelle dessus. Mais une fois que tu l'auras fermé, sans y toucher, mais que le poids du vitrage, ça restera fermé. J'ai agrémenté cette trappe d'une petite poignée que nous verrons tout à l'heure. Petit crochet qui te permet de parfaire ta sécurité pour éviter à des éventuels voleurs de s'introduire dans ta maison. Qu'est-ce que t'as fait, Bibi? Il est coincé. Il a mis son pied, il n'avait plus à retirer. Le biais, il est en haut. Parce que normalement, les murs. Bibi, c'est mis à l'enquête. Non, mais ça, il peut pas savoir. Et moi, je suis boulanger à la base. Mais moi, il est petit. Les serreurs. Les serreurs, c'est ça. Ça, c'est les serreurs de Rachel et. Emilien. C'est écrit dessus. Comme le port salut. Donc voilà, ça, c'est un serreur de traverse qui va venir en bout et le serreur montant va venir. Réappuyer sur cette petite ailette. Ah non. Wow. Bon, on va faire le test. C'est le grand moment. Crash test. C'est le grand moment, vas-y Rachel. Avec un doigt. Wow. Magique. Coucou. C'est beau, j'aime bien aussi les poignées là, elles sont fines. Ouais, ça sera pour l'intérieur, pour pouvoir la frapper. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va couper une petite partie de l'appui de fenêtre. Parce que le youtubeur propriétaire de ce domicile a fait n'importe quoi. Non, on n'avait pas le choix, on s'en doutait un petit peu, voilà. On a fait un trait là. On va être obligé de décocher ici. Histoire que la tôle se raille pas, sinon ça va toujours frotter. Et ça ne sera pas agréable à l'oreille. Oh là là, qu'est-ce que c'est propre. Tout à la meuleuse de 150. T'as pas été sculpteur toi? J'étais tailleur de pierre, c'est moi qui ai refait Notre-Dame de Paris. Ouais bah tu l'as mal fait je crois. À la meuleuse. La finition. Voniche bas. Voniche bas. Oli boniche. Oli boniche. Oli boniche, ni bas. Ça te fait penser à quoi? Chewbacca dans Star Wars! Ça y est, la trappe est posée. On va refaire un petit tour de la trappe là pour vous montrer un peu en détail, refaire des petits focus sur les détails techniques. Il faut savoir que cette trappe, elle est unique au monde. D'accord? Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Elle a été faite sur mesure à tous les niveaux.
Et ça, je trouve ça ouf. C'est une belle prouesse de ma belle verrière. Déjà, bravo. Honnêtement, je suis ultra choqué. Le travail, il est incroyable. Mais Bibi, il est derrière, mais Bibi, il est là. Hein. Voilà. Ah, Bibi, bravo, Bibi. Mettez tous un merci. Commentaire pour Bibi. Parce que Bibi, il est dans le silence, mais il est dans le travail et l'efficacité. C'est incroyable. Il fait un travail de dingue. Donc, bravo à Bibi. C'est mon grand frère, t'as vu ? Merci beaucoup. Donc, voilà le bébé. Alors déjà, une chose qui est importante, le vitrage. Le vitrage, on est vraiment sur un vitrage de qualité parce que, voilà, je voulais montrer ici, on est sur des verres simples. Oui. On est sur une tonalité de couleur légèrement verdâtre. Là, t'as du verre vert standard, voilà. Du verre sans traitement spécifique, vu que c'est un verre de plancher. Voilà, et là, vous voyez tout de suite la différence, hein, y a pas de filtre. Paf, rien que la couleur du ciel, ça laisse imaginer, le rendu il est ouf. Ensuite, oui. Au niveau des profils acier alu. Alors, donc, on est parti, en fait, c'est sur un principe de mur rideau. Donc ça, c'est plus les professionnels de la menuiserie qui comprendront. Un mur rideau, c'est les grandes façades vitrées, les buildings, exemple, ou les grandes tours à la Défense. C'est ce qu'on appelle des murs rideaux. C'est-à-dire que c'est des profilés, ce qu'on appelle des épines avec des traverses. Et c'est ça qui permet de faire des super grandes surfaces. Nous, on l'a adapté à plat, avec une légère pente. Donc on a le verre, en fait, aujourd'hui, là, il est pincé. Ici, ici et ici, sur les trois parties. Et en bas, on a une épine qui est en dessous, vous pouvez le voir à travers, il y a une épine qui est en dessous, mais le vitrage on l'a laissé volontairement passer dessus pour que l'eau s'écoule, qu'on soit parfait au niveau étanchéité. Et on a des petites tôles sur le côté là, l'eau s'il y a bien là, bah coule là, coule là, bah coule là, bah coule là, toi. On va l'ouvrir ensemble. Bon, je vous montre la facilité, je vais prendre juste un doigt, hop. Voilà. Il y a un petit amortisseur fin de course. Il y a zéro effort à faire, hop, elle se cale. Nous, on avait vu quelques produits standards qui peuvent exister, mais c'est assez rare au niveau de ces trappes-là. On n'a jamais une telle ouverture avec une aussi grande trappe. En produits d'usine, ça n'existe pas. Ça sera toujours des métalliers qui vont adapter des produits qui pourront faire une trappe comme ça. En fait, au final, si on a un gros dimensionnement de vérin, une trappe comme ça, en fait, maintenant, je sais qu'elle pourrait faire 3 mètres de long par 2 mètres de large. On saurait faire un truc qui s'ouvre comme ça d'un seul tenant. Alors, justement, les vérins, alors ça, c'est ce qui fait aussi que bah, la pose de la trappe et la fabrication a pris un peu de temps. C'était pas uniquement sur le profil qui finalement était assez rapide, mais c'était sur la commande et le chargement des vérins. Oui, alors ça a été une grande histoire. Ça, je me suis fait aider, si on peut en parler, hein, juste un petit merci. Donc à Fabien Adrion, donc qui est le dirigeant de la société Comema, qui m'a donné un gros coup de main. C'est un ami à moi, Fabien, et c'est lui qui m'a dimensionné complètement. Nous, on a fabriqué la trappe, on l'a emmené chez lui. Lui, il a simulé le poids du vitrage et tout ça théorique qu'on avait. Où devaient être les platines pour que la trappe soit toujours équilibrée. On voit qu'elle est bien équilibrée, c'est que quand elle est là, elle bouge pas. Si elle est là, elle bouge pas. Si elle est là, elle bouge pas. Il y a que vers la fin où elle va partir. Et même si elle est là, tu vois, elle bouge pas. C'est-à-dire que là, c'est un équilibre parfait. On a à l'intérieur une petite poignée, mais qui va permettre de verrouiller complètement la trappe. Ça, c'est fait maison, c'est fait sur maison, mesure. Parce que, bah, pareil, c'est pas de produit du commerce, donc on a été obligé d'innover. Quand on a cherché chez tous les quincaillers, on les a tous mis un peu en PLS. Donc, bah, on s'est dit, bah, la poignée, on va la faire nous-mêmes dans le coup. Voilà, donc elle a été vraiment intégrée complètement. Ici, oui. En haut, le crochet, il a été intégré dans le profil acier de la trappe. Et puis, on a fait des belles poignées qui ont plu à Rachel. Hein, Rachel ? Oui. Mais c'est vrai que les poignées sont très jolies, elles sont ultra fines. Simple. La poignée intérieure, on l'a fait volontairement plus large parce que quand vous allez descendre, bah, votre main va sûrement glisser, 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 glisser. Si on vous avait fait qu'une petite poignée, ça aurait été super, super emmerdant. On pense à tout. Ah oui, pense à tout. Et puis, on ferme. T'entends plus? Vas-y, vas-y, parle. Tu t'appelles comment? Je vous montre de plus loin un petit peu le rendu parce que ça aussi c'est important. Mais si on se met loin, je trouve que le rendu est vraiment beau. Genre j'imagine bien avec la terrasse, ici on mange, il y aurait une petite LED à l'intérieur, on est entre amis et limite tu la laisses ouverte en fait, c'est il beau. Il faut aussi dire que derrière il y aura un claustrin, là on voit plusieurs toitures, c'est vraiment moche. Voilà, donc en fait ce qui est prévu ici c'est une terrasse en fibre au ciment qui viendra à fleur des vitrages. Je rappelle qu'on peut marcher sur ces verres là et ici bah, ça va venir taper juste ici sur le cadre. Et ici, il y a 5 cm d'écart pour que l'eau s'écoule. Donc là-bas, ça va ressortir légèrement. Mais tout sera incrusté dans la terrasse. Bon, les amis, c'était une bien belle journée. Il est vrai. Encore une fois, félicitations pour votre travail. Franchement, c'est ouf. Je crois qu'on a encore des projets ensemble, peut-être même. Il paraît. À venir. Il paraît. Donc là, on t'a fait relever un premier défi. Ouais. Il y en aura peut-être un deuxième. Bah, je pense que le plus dur, c'était le premier, presque. Hein. Presque. Quoique. Quoique, il y a des exigences. Ouais, non, je pense qu'il y a quelques exigences au niveau de la dame qui est là. Voilà, au niveau design. La madame là, ouais. Je crois qu'elle aime bien les courbes, tu vois. J'aime bien lancer des défis. Ouais, non, bah là, c'était là, merci. Défi de lancer des défis réussi. Défi relevé. Bon, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite maintenant à aller voir la vidéo de la fabrication de la trappe sur la chaîne de Julien. Et je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram où j'organise en ce moment même, sous mon dernier post, un énorme concours pour gagner 1000 euros de bons d'achat sur le site de Ma Belle Verrière. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la semaine prochaine. Ciao !